Salut les gens, c'est Tardarine, je suis en compagnie de Weirdmake, Atemir et Katox. Nous sommes toujours sur du Baldur's Gate 3. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Alors, on se retrouve après avoir fait un petit peu de stratégie. On s'est mis en place pour recommencer le combat et mettre une grosse tatane à cette magnifique araignée de phase matriarche de niveau 5. Et donc là, Atemir va nous faire un petit coup d'éclat de furtivité pour aller positionner des tonneaux près de la matriarche pour qu'on lui fasse sa fête. À tout moment, c'est un échec. À tout Oui. moment, c'est un échec. On te regarde, de toute façon. Il n'y a pas du tout eu 4 sauvegardes pour préparer le truc hein, en amont. On est des experts de la stratégie de l'embuscade. De la stratélique. La stratélite. Je n'ai aucune ruse dans mon sac de toute façon. Alors. On avait profité aussi pour péter tous les petits œufs qu'on avait trouvés sur la map qui n'étaient pas du côté de Allez, non, la rapproche-le un matriarche. peu plus. Plus que ça? Ouais, un peu plus, je pense. Bon, quand tu vas péter, ce sera bon, non? Là. Voilà. Ça te va là? Ouais, je pense que là, ça peut le faire. Ça Ouais, peut le je faire. peux pas faire plus près, hein. Alors, allons, c'est bon là. Allez, reviens. Reviens-nous. Ah là là, On ça peut pas donc. dash deux fois dans le même tour. Eh ben, je peux pas revenir plus près. Tu peux pas jump? Non, j'ai plus de mouvement. Ah bon bah. Ah bah c'est bon, de toute façon, tu vas avoir le temps largement de revenir sur le Ah oui, non mais plateau. bien sûr. Il faut juste pas tirer tout de suite, faut juste que je revienne là où vous êtes. Putain mais c'est trop De toute bien, vous façon, êtes je peux caché pas tirer derrière tout de vous. suite, j'ai pas de ligne de mire là, je me suis Parfait. caché. Ben passez le tour, on vit sa life Ah oui, pardon, tranquillou. c'est bon. Je vais revenir là où vous êtes, normalement personne va me voir, je suis discret comme une ombre. On attendra qu'elle se rapproche des tonneaux quand elle aura refait son pattern une fois et paf! Exactement. Tout parfait, Thierry. Là, je vais faire une fin de tour, ça sert à rien que je me bouge. Ouais, sinon que tu vas encore te faire voir. Voilà. Comment t'as récupéré ton familier d'ailleurs? Je le vois toujours pas à l'écran. Il Yes, bouge, oui, mais au bon je endroit. le vois pas. Repasse Alors, c'est en. maintenant, que tu vas te mettre en place pour aller lui mettre une boule de feu dans la tronche. T'es sûr que je vais pas me faire repérer? Non, Regarde, non, non, t'es bon là. Elle va passer par là. Mais du coup, elle va pas te voir en fait. À aucun moment, elle va te voir normalement. Par contre, j'espère qu'elle va s'arrêter pile poil parce que là, on est en tour par tour. Attends, Si je jamais regarde elle si j'ai t'arrive. la portée, j'ai pas la portée. Ah ouais? Ouais. Sur le tonneau, t'as pas la porte tous? Non, c'est. Si. Ouais, il aurait fallu qu'il soit Mais tu peux pas. limite Non, mais tu peux sur. aller sur le pont, va sur le pont! Va Ah sur le ouais, pont de mais je toile vais qui est à faire. côté! Je vais faire entoiler, hein. Oui, va faire entoiler Ah! parce que là. Et surtout, À je moins vais que faire tu. repérer par les araignées qui sont. À moins que tu lui files tes bottes, tu lui files tes bottes, il va sur le pont, il se Non, mais met à l'endroit en où tu fait, étais. attends, viens là où je suis, Arda. Enfin, c'est ça qu'on va faire. Viens là où je suis. Voilà. Cassons-nous un peu. On va venir par là, là. Venez là, tous. On va venir là. Je peux plus bouger. Et on va faire la strat dite du. En fait, on n'est plus en mode tour par tour. Et je vais te filer des trucs. Alors, prends des bottes. Ouais, mesdames et Voilà, t'as messieurs, des c'est bottes dans toujours ton comme ça que ça se inventaire? passe en jeu de rôle. Ça se passe forcément comme ça en jeu de rôle. Ah, J'ai des ça. bottes dans mon inventaire. Hop. Là, tu peux les équiper. C'est fait. Voilà. Et là, on se remet là en état. Et on va pouvoir se mettre en mode discrétos. Bah, il faut que tu te mettes là où je suis. Arda, par contre, je sais pas si tu vas pouvoir. Ah, Non, non, mais non, 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 il non, va non, falloir non, qu'il mais aille non, sur sur le l'autre. pont en fait. Ok, Il va sur falloir qu'il aille l'autre. sur le pont. Regarde. Et là, on va faire la bonne vieille strat dite du bien joué. Ah, je pense que c'est un poil trop tôt en Mais vrai, mais bon, après, tant pis. ouais. Ah non, elle va être poussée avec, avec les explosions en vrai. Ah ouais, effectivement, là, si tu vas sur le pont, Arda, peut-être que tu peux. Yes. En vrai, je pense que tu te déplaces et c'est bueno là. Alors attends, je vais regarder où est-ce que ça me dit de me mettre si je veux. Alors là, j'ai pas de ligne de mire. Visiblement, ouais, je peux m'en sortir en mettant possibilité de déplacement insuffisante. Alors, si je fonce. Bah Par non, tu contre, peux pas. attends, est-ce que si tu fonces, tu peux quand même utiliser ton sort? Parce que foncer, Ah non, c'est une action. Ah bah non, je peux pas. Ouais. Bah c'est quand on retire le tour par tour, on attend la prochaine session et.
Dès qu'elle tourne le dos, en fait. Ouais. Tu vas 100 tours par tour et puis on lance le tour par tour. Non, mais je pense pas qu'il faut lancer le tour par tour, parce que si on lance le tour par tour, ça se trouve, elle va dépasser les tonneaux et on va être comme des cons. Genre maintenant, là, il faudrait que tu le fasses péter. Non, shoot! Attends. Lance. Ah, c'était tour par tour. Ah, mais, parce que, mais en fait, tu pouvais le lancer aussi, c'est pour ça. Moi, je pensais que vous alliez le faire. C'est pas grave. Nous sommes pas pressés. Je vais cliquer dessus au bon moment. Oui. Alors, on va attendre qu'elle me tourne le dos parce que j'ai pas envie qu'elle me spot sur la toile. Pas de problème. Donc, vous voyez, une stratégie, mais au poil de cul. Je vais faire la meilleure stratégie du monde, par contre. Voilà, ça c'est la bonne stratégie. Le safe scam. En vrai, comme dans tout bon RPG, il faut sauvegarder avant un combat. Sur ma partie. Non, là elle va te voir sur le pont. Elle va te voir sur le pont, faut attendre au demi-tour. Ouais. Ah, c'est à ça que je me tiens prêt. Après, elle se tourne dans quel sens Le marteau, il est prêt. Elle se tourne vers nous. Allez. C'était un peu trop tôt là. C'est trop tôt là, tu vas rien faire là. Bah on peut sortir du mode. Vas-y, par contre. Ouais, mais le problème c'est que. Non, en fait tu es obligé d'attendre. Non, t'es obligé d'attendre 6 secondes. T'es obligé d'attendre 6 secondes. Donc t'es obligé de réattendre une rotation complète. Reviens là, Arda, reviens là. Mais on n'était pas obligé d'attendre de mettre. Non, en fait tu peux pas retourner en mode tour par tour avant 6 secondes. Oui, et alors il aurait pu tirer même si on était pas. Ah là. Non. Tu me demandes de la rapidité et de la précision, tu laisses tomber. Ah d'accord, ok. Là t'es peut-être potentiellement. Non, t'es pas visible là où t'es. Mais t'inquiète, j'avais pas compris qu'en fait il fallait qu'on clique à ta place, c'est pour ça je l'avais pas. Je vais cliquer quand il faut. C'est de la stratégie de fou. Grave. Non mais en vrai, c'est l'accès, ça va bider de ouf, ça va être trop bien. Ouais, ça, elle va perdre 20 PV et ce sera tout. Exactement, et on va être en mode nous. Allez, bouge Arda, vas-y bouge, déplace-toi. Parce qu'on est tous les deux à avoir cliqué en même temps. Allez, let's go. Arda revient, tu vas te faire vivre. C'est incroyable, normalement il n'y a qu'une seule personne qui est censée le faire. Mais oui, mais on s'est pas parlé. La communication sera la clé. Ah, t'es bien, tu es le roi du bouton. Allez, je clique sur le bouton. Vous êtes des génies. Non, mais c'est le build-up avant le play du siècle. Pas du tout. Au secours. J'espère qu'on va pas flopper. Ça va full flop. Non, mais ça va être encore mieux, justement. Ça va être l'épisode du bide. C'est ça, on va en faire un short. Regardez, ces quatre bouffons préparent un truc juste pour se viander ensuite. Vas-y, là, tu peux te rapprocher, tu peux commencer à te rapprocher. Ah, c'est la façon de mytho là. Voilà, parfait. Go, Arda, go, hop là. C'est maintenant. Je peux pas faire plus près, Arda, je peux pas faire mieux là. La panthère rose. Et là, allez, c'est là. Le play de l'infini. Il va tirer, attention. Et il a toujours pas la portée. Oh merde. Ah, elle est dans le gouffre. Tuer la matriarche des araignées avant que ses œufs éclosent. Bah là, elle est... Comment on l'a défoncé ? Elle est dans le gouffre. C'est génial, c'était génial. Mais pourquoi moi ? Okay. On n'aura pas le looté, ça c'est dommage quand même. Je suis sûr qu'elle avait rien d'intéressant. Ça, je sais plus par contre ce qu'elle doit. Crit miss, mais quel enfer. Ah mais parce que je suis poisonné. Par contre, il faut jouer les gens. Pourquoi je suis désavantagé? J'arrive. Parce que tu t'es pris un... t'es dans de la toxine par terre. Hein. Pourquoi on mise tous là, ça va pas? Ah moi c'est bon, j'ai mis des dégâts sur la mètre. Je suis en désavantagé. Honnêtement, Arda c'est dangereux d'être sur le pont de toile. Oui, hein. Oui. Par contre, casse-toi parce que là c'est... C'est dangereux là. Je peux pas visiblement. Tu peux pas jump par là, là. Je peux pas. Si, il te reste une action bonus normalement. Tu dois pouvoir jump. Ouais, ici. Mais il faut que je me déplace. Ah bah c'est bon, attends, en vrai tu peux. T'es allé trop près, elle va pas. Ah non, bien joué. Bravo. Pourquoi tu les tues pas, Gatox, les araignées? Hein? Vas-y, bah, t'es passif et décoche le knockout. Oula! Oh! Wow, elle m'a tellement dépop. Ah oui, ça. Mais il est pas activé là, le knockout. C'est juste qu'il leur reste un PV et qu'elle rate leur jet correspondant.
Bon, elle est où? Si tu les mets knockout, ça veut dire que tu choisis que ton arme ne soit pas létale. Donc, Ouais, mais il est pas activé. Je pense que Atemir va faire le taf là. Moi, je peux pas taper. Tu peux pas taper? Non, je suis venu au CAC, mais je peux pas la taper. Mais bon. Le problème, c'est qu'elle peut Misty Step à chaque fois qu'elle se déplace, donc. Bon, moi, je vais attendre là. Je peux pas l'attaquer, moi. Non, mais faut que tu descendes les vignes. Parce que tu la vois pas, en fait, elle est elle est littéralement sous tes pieds là. J'ai pas de déplacement. Tant pis. En fait, tu peux. J'allais dire, tu peux dash, mais du coup, t'auras plus d'action. On va passer ton tour et ce sera bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a que moi, pardon. Allez. Oh non, elle va souffrir, hein. Peu. Ah non, je voulais péter le pont. Non. Alors, il y a une magnifique truc violette là, intéressante, toile. Ah, mais du coup, c'est toi qui as. Oui, c'est moi qui étais bot. Je te les renvoie, bouge pas. T'inquiète. Je reprends mes bottes toutes pourraves. Après, je peux te les laisser. Hein. Hop, oui, ouais, mais je suis un peu deck qu'on est dépop l'araignée. En vrai, tu vois, c'était le build-up qui a bien servi quoi. On a bien build-up pour avoir du super loot. Et franchement, quel loot. Ah bah oui. À tout moment, j'y vais. À tout moment, je vais la chercher. C'est celui qu'on se fait sur la route, tu vois, ce sont les amis. Exactement. Le but, c'est le voyage. C'est ça. C'est le chemin du voyage. Tout ça pour ça, quoi. Exactement. Ah, et en vrai, je sais même pas ce qu'elle loot. Quelqu'un sait ce qu'elle loot ou... Aucunement. Ah, je me souviens plus. Moi, c'est l'XP qui m'intéresse. Ah non, ça par contre, en termes d'XP, je pense que ça devait pas être mal. On a fait un quart de niveau depuis qu'on a commencé. Bon, on utilise le portail pour se barrer ou... Je sais pas, là on peut ressortir, mais je sais pas où ça sort, je vais checker. Façon, Allez, tu peux tenter une petite sauvegarde. Allez hop, une dernière. Ah, merci, c'est sympa. sympa. Tu veux sortir par. Ah oui, c'est vrai, mais il y avait le. Ah mais c'est pas fini en fait, il y a des trucs là. Ah mais on est... Ok super, mais c'est dehors mais pas du tout. On peut réutiliser le seau qui nous ramène, le seau du puits, mais je sais pas où il nous ramène. Ah bon, alors, ils sont bêtes, on peut se retp directement au village. Si là on clique sur Emerald Grove, on revient, le village, si tu cliques sur le village, on se fait retp directement. Non mais on voulait pas revenir au village, quel village? Bah on était dans un village avant. On peut se TP, y'a pas besoin d'être à côté du point de TP pour pouvoir se TP. Oui mais... Attends quoi? Bah regarde, moi je vais me TP au village quoi. Oui mais quel village? Bah le village des gobelins. On était au village des gobelins. Et il s'appelle comment? On a pas activé le point de TP hein, du village des gobelins. Bah si, moi je viens de me TP au village des gobelins là. Et c'est quoi donc c'est quoi le nom? C'est village dévasté. Village dévasté. Village. Village dévasté. Je l'ai. Alors... Moi, le village dévasté. Bravo, bonsoir à tous. Tu fais M et t'appuies sur village dévasté. Voilà, fallait juste que je le trouve. Ah, je suis un grand expert de ce jeu. Hein. Alors... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tiens, un gobelin. Trump sur le casque, hein. Ouais, bah les gars, il y a un gobelin. Oh bah, il vous a pas vu, mais vraiment, je sais pas comment vous... Qu'est-ce qu'il y a quoi? Non, il y avait un gobelin, mais il se peut qu'il soit mort. Non, il lui reste 2 PV. Ah, moi je peux plus le taper malheureusement. Ouais, c'est bon, voilà. Moi je pose pas de questions, je vois un gobelin, il meurt. Un bon gobelin est un gobelin mort. Exactement. Ouais, y'a des tonneaux de poissons là. Hein. Ah bah le puits il sortait là en fait, c'est tout. Ah merde, mais par contre je perds mon plus sain. Alors moi j'ai pris du poisson, mais où est-ce qu'il est parti? Directement dans le sac de provision du camp? Ouais, normalement il va automatiquement dans ta... Si jamais là il y a plein de gobelins encore. Où ça? Non. Est-ce que... je vais prendre le casque, même si ça me fait perdre mon jet de dextérité plus 100. Et j'ai un anneau... si jamais pour les gens qui fait gagner de la distance de déplacement, je crois. Attends.
Ouais, c'est ça. Ah ouais, il y a plein de gobelins ici. La distance de déplacement ? Ouais, de 1m5. Quand t'es en fait, toi, tu te déplaces de pas beaucoup, toi. Tu te déplaces, t'es assez court sur pattes, non ? Oui, d'accord, mais là, le truc, c'est que, en gros, dès que t'es sous 50% de ta vie, tu gagnes justement le déplacement supplémentaire de 1m5. Pendant un tour. En gros, c'est un anneau qui te permet de t'échapper. Je te le file, peut-être. Je pense qu'il sera plus utile que tes merdouilles, là, qui... Moi, je prends tout ce qu'on me donne, moi. Je reçois, moi. Je suis dans le recevoir. Je te le file, si jamais tu... C'est équipé. Moi, je suis spellout, moi. Qu'est-ce que c'est que cette bait ? Le bugbear, il va passer un sale quart d'heure. Ok, c'est d'accord. C'est sympa, les mecs, d'attendre. Le bugbear, il va passer un sale quart d'heure. T'es littéralement à 2 mètres... Oui, si je pouvais aussi taper sur les monstres. Qui quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce il y avait un mob, mais il est mort. Tout va bien. On est à côté de toi. Ah putain, mais oh là là. Il y avait un mob, je l'ai tapé, un petit critique là. Le gobelours là ? Ah ouais. Il a passé un moment. Je suis engagé par les machins qui étaient à côté. J'étais en train de déplacer une caisse en bois et là, bam, combat. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? 15 de dommage. Damage. Moi, je vais ouvrir la porte. Des schémas pour le forgeron. Peut-être t'envoyer ça à Menmir. Des gens, on est où là ? Ah, on est là. Ok. Putain, j'envoie les schémas à Menmir, on sait jamais. Hop. Alors si jamais, là il y a un truc, ça fait beaucoup de bruit là où je suis. Quoi ? Où c'est ? J'ai une porte et il y a du bruit quoi derrière, j'ai l'impression. Après c'est peut-être juste un moulin, mais... On n'avait pas fini le village ? C'est toujours le village. Là je suis à l'entrée du village en fait. Vous voulez pas qu'on aille casser les gobelins qui sont près du... Oui, mais moi j'aime bien faire de haut en bas la carte, et puis on n'est pas allé par là. Il y a deux endroits où on n'est pas allé, ça me stresse. Pourquoi vous avez perdu autant de PV, vous deux ? Je sais pas. Bah si, moi je me suis fait casser la tronche par l'araignée tout à l'heure. Bah ouais, moi j'ai eu un jet d'acide. C'est que ça, on fait un chantress pour qu'ils regagnent leur PV. Ah, moi je suis plutôt favorable à cette idée. Et bah regardez, 3 à 2, ok. Voilà. Alors on save ? Attends, j'essaye de nous trouver une petite plateforme là pour qu'on puisse monter exactement ce que vient de faire Atémir, mais pas comme ça. Vous êtes entré en combat avec qui ? Tous ? Avec tout le monde. Avec l'intégralité de la planète, j'ai l'impression. moi j'ai vu ta plateforme, t'as dit pour monter, je suis monté, hein. Je suis un bon élève. Hein. Et là, il fait... Je pensais pas qu'il te repérerait direct en fait. Ah bah salut les gars, moi je suis passé. Et pourtant je suis. Il se casse l'autre. Tu veux pas revenir peut-être ? Ah mais non, mais parce que cet enfoiré, vu qu'il est en fufu, il est pas dans le turn order donc il fait ce qu'il veut. Mais c'est là. Quoi le trou mystérieux là ? Là où t'es, il y a un trou mystérieux là, Katox, t'es passé juste à côté. Ah oui. Ah oui, c'est quoi ? Je vais te le dire. Un livre étrange, un cimetière et une lampe à huile. Je crois que je peux frotter les lampes à huile. Du PQ et des raviolis. bon, et écoutez, maintenant que je suis là, moi j'ai pas d'action, je peux rien faire, donc je suis content. Ah, c'est un livre qui contient une bouteille de vin. Tu veux pas revenir vers nous ? Si, t'inquiète. Ok, c'est à moi ? Non, je parlais à Katox. Ah oui, je vais attendre qu'il revienne en tout cas pour passer mon tour, ça c'est sûr. Par contre, fais gaffe parce que là ils ont de la détection juste de l'autre côté du mur. Hein. Ouais, je sais, je trouve un endroit. T'as ce gars là qui te voit là. Mais comment ils ont fait pour te repérer de dos ? Bah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce qu'en plus y a pas de rouge. Ouais, c'est pour ça, j'étais caché, j'ai pas vu de rouge donc c'est bon. Et là y a toujours pas de rouge donc en vrai. Après, c'est peut-être ça a fait du bruit quand j'ai sauté. Quand tu sautes, ça fait du bruit. Bah, c'est plutôt... Comment c'est vos affaires, hein, j'arrive.
En fait, je t'attends parce que sinon ils vont commencer à bouger. J'ai plus de mouvement en fait. Moi j'ai du mouvement, mais je sais pas trop quoi en faire, on va pas se mentir. Moi, c'est pas encore mon tour. Moi, il y a toute la palette qui passe avant moi et. Je sais pas. Ok, bon bah, Katox a joué du coup. Ah, il faut que... Je sais pas s'il faut que tu passes ton tour pour ton pet. Mais si, il faut. Ton pet, il a pas passé le tour. Hein. Ah, pardon. Ah bah, oh yes, viens mec, viens. Ils arrivent, Munmir, tes potes. Ah ouais, parce que là moi j'étais en train de dire, bon alors, peut-être que dans 3 tours je pourrais commencer à me battre. Mais non, regarde. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont buggés ou bien? Je sais pas. Il est où lui? Ah voilà. Ah ok, alors... il y a tout le monde qui vient en fait. Il y a la terre entière qui vient. Mais ce qui est bien c'est qu'ils ont tous... j'allais dire ils ont tous dash mais non. Miss, bien joué ça. Ok, là je me sens. Il y a un petit peu trop de monde peut-être. Arda, il va falloir faire de la OE là. Je vais leur faire une flaque de graisse. En plus, ils sont bénis. Oh. Ah bah ouais, mais non. Ah bah on sait qu'il faut taper en premier. Hein. Ils sont doublement bénis. Les dévots ouais, là. Ah putain, c'est une action pour balancer. Oh oui, j'aurais tellement dû. J'aurais tellement dû claquer un tourbillon de dague à cet endroit là. Alors, je me tâte à l'utiliser ou pas ma popo. Ouais, non. Un truc pour faire du feu ou pas? Non, mais pour faire du. Je vais les paquer, attends. Ouais, on va le faire à level. Oh le... Ah, il est blessé, du coup il a de la résistance sur les saving throw. Wow! Let's go! C'est vraiment juste pour dire que le sort n'a pas réussi, du coup je te pousse. Ah, mais c'est lui qui doit me voir par un coup du sort là. Ok. Ah, en fait, que maintenant ils sont paqués normalement sur la. Ah non, peut-être que l'autre Borg est. J'ai rien à balancer. Mais je regarde si j'ai pas un truc à balancer. J'ai pas de feu grégois. Moi j'en ai un. C'est bien dommage. Mais je me dis que si Arda il balance une bouteille de graisse. Après, c'est pas une bouteille de graisse que je vais balancer, c'est le sort. Ah bah tu peux balancer le sort, hein. Moi je mettrai le feu après. Ah, t'as le sort graisse? Oui, j'ai le sort graisse. Ah mais t'inquiète, tu le mets où le sort graisse là? Bah je pense juste sous genre, les... Genre par là là? Enfin par sous ouais, lui là? Ouais sous lui ouais. Ok, vas-y je vais essayer de foutre du feu dessus là. Quand ça sera. Ah bah ouais, c'est effectivement. Alors déjà je vais essayer d'effrayer le Fezerk là. Bah il lui reste un SPV. En plus oui. il est blessé hein, donc Ouais blessé, il le sera encore pendant 10 tours donc va falloir le buter avec son bless hein. Moi si tu mets de la graisse dessous là sous le gars sur lequel j'ai ping là sous lui là, je peux foutre du feu dessus et donc normalement faire des choses. Faire des choses. Je sais pas faire si des trucs. Sur le mec ou sur la graisse pour l'enflammer. Les deux fonctionnent non? Je sais pas. Je sais pas si les deux focus directement le. Ah dommage, j'ai pas eu Fezerk. Bah écoutez vous savez quoi? Vas-y. Essaye. Je tente un truc. C'est pas normalement, si ça va là, marcher, tu touches les 4. Là tu touches les 4 si tu enflammes. Ça a bien marché ouais. Ouais j'ai deux. Ouais je l'ai buté surtout le gars. Non c'est ouais. Bon les wargs ils ont pris cher. Et puis de toute façon ils sont dans le feu maintenant donc Par contre je suis déçu le Fezerk que je pensais qu'il serait touché mais il l'a pas été. Là il était pile à la... Ouf. 14 de dommages là, ça fait pas du bien. Patate. Ah, c'est le chef de bande gobelin quoi. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a lancé. Je sais plus, attends. Qu'est-ce qu'il a lancé? Oh l'attaque d'opportunité de ton mignon là. Eh ouais, il était là. Bien joué ça. Non, faut que j'arrive à redescendre avec vous là. Ou je me fais les trois là-haut, je vais peut-être faire ça. Fais-toi celui qui. Si tu. La gobeline dévote, si tu la défonces, ça devrait sortir.
la bénédiction, je pense que c'est de la concentration. Si tu l'attaques, ça devrait briser. Je vais me concentrer sur cette personne. Après, je crois que c'est celle qui est là. Ouais, c'est ça, mais je vais lui expliquer la vie. Elle doit passer un mauvais moment. Cher, hein, malgré mon armure de mage. Bah après, ton armure de mage, c'est juste. Est-ce que les gens arrivent à te toucher? Après, les dommages qu'ils font, c'est. Ouais, bah j'ai pris super cher. Après, t'es quand même bien en retrait, ça passe. Du coup, je sais pas comment. Est-ce qu'il m'a balancé à la gueule pour me faire aussi mal? C'est marrant parce que ces mobs là, ils sont temporairement hostiles. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être une fois qu'ils seront morts, ils seront plus hostiles. Peut-être que si tu t'échappes. S'ils se cassent, ils arrêtent d'être méchants, ok. Sacred Flames. Ah, mais là-bas aussi, il y en a un dévot. Non, mais ça va bien, les dévots là, c'est bon. Alors, le. Allez. En vrai, je sais pas. Enfin, honnêtement, je sais pas c'est lequel le. Ah, si tu sais, le taper, au pire, tu tapes le Warg et tu pousses Fezerk dans le flamme. Ah, c'est pas bête ça. Je pense que Fezerk il va résister au. Dommage. Ah, il est hébété. T'as pas Action Charge là ? Ah, oui, non, t'es cleric. Ouais, non. Pour le moment, c'est pas encore. Tu se déquilles à chaque fois. Ils sont à côté, ça me fume. Est-ce que je lui renvoie le truc ou pas? Il a combien de PV? 6 3 8 Ah, tu peux l'OS, hein. Ouais, c'est ce que je vais essayer. Complètement loupé. Quoi, là bah, je l'ai loupé. Bon, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qui s'est. What? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai bien défoncé le chef gobelin. Ah! On est d'accord, hein? J'ai pas tout compris. On a pas de merci, on lutte. Attends. Ah, y'a un dialogue. Oui. Ah, ça, oui, ça serait intéressant de savoir parce que faut qu'on trouve quand même le druide. Le druide, hein. Ah. C'est pas ça qui m'intéresse. Oh, il a pas le fume. Over to the side before you reach the first guards. Easy. Quelle belle nouvelle. C'est bon, on a les infos, on le tue. Ah, voilà, ça j'aime les copains. De toute façon, les gobelins, ça devrait pas hésiter. Par contre, les autres, ils sont passés où? Non, sérieux, ils sont partis, ils sont partis. En fait, tu t'as attaqué trop vite, Arda, et du coup, j'ai pas eu le temps de taper. Et ah, je suis désolé. Non, bah, c'est pas grave, hein. Tant mieux, on était quand même assez mal en point, donc l'un dans l'autre. Alors, ah, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il avait eu comme arme. Qui ça? Il y avait une très grosse hache. Ouais. Et alors, elle est mieux que la tienne? Non, elle fait 4-15 et mon épée elle fait 5-18 pour le moment. Ah, et même dans les logs, j'arrive pas à voir ce que ma petite invocation a pu faire comme dégâts. Alors, j'ai deux leviers, relâcher le frein ou freiner? Freiner? Oh bah, freine. Il y avait pas un mec qui était attaché au moulin? Si, bah, si, y'a un mec qui est attaché au moulin. Non, Kato, sérieux. Ah. Ok, d'accord. Franchement, j'ai hésité. J'ai vu l'animation sans fader, j'étais là. Il va vraiment l'envoyer. Bah, j'ai trouvé des bottes, je pense qu'elles seront peut-être bien pour toi, Weird. Ah. Parce que c'est des bottes. Armure médium. Alors, non, tu me diras, c'est peut-être bien aussi pour. Je sais pas si tu peux mettre du médium. Bah, moi, je peux mettre de tout, hein. Moi j'ai des bottes en médium hein, en ce moment. Non, je pensais à. Katox, je sais pas ce qu'il met comme arme. De toute façon, des gants et des bottes, je sais pas si tu les as en armure lourde. Bah j'ai aucune idée. Alors là. Est-ce que. J'ai des gants métalliques et c'est de l'armure médium. Est-ce que je lui demande des sous pour les détacher ou pas? Ouais. Ah, on n'est pas des gentils, hein. Bah, bon, gentil, mais bon, c'est payant quoi. Bon, j'ai fait le. Je me suis occupé du bas.
Il y avait des bottes bleues mais que je peux pas mettre donc si quelqu'un si ça intéresse quelqu'un je vous invite à regarder. Bah, ne sachant pas ce qu'elle représente. Bah c'est les seules bottes bleues que j'ai dans l'inventaire de toute façon. En gros quand vous quand tu utilises l'action dash, je sais pas comment ça s'appelle en français. Oui. Ou que tu prends une ou que tu fais une action qui est de même de j'aimerais même bien genre. Savoir pourquoi il a été capturé ouais. Ah mais vous êtes en discussion, pardon. Donc il a un sac. Mm-hmm. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Traduction anglaise. Si on se revoit, bah on se reverra. ouais, je les bottes, non, personne. De quoi, les bottes de quoi, qui, quand, où? Il y a une trappe en bois. Oui, j'y suis allé, j'ai chopé des bottes qui sont dans mon inventaire, que je peux pas mettre, que tu peux pas mettre non plus Arda, mais que Weird ou Katox peuvent mettre. Je les ai mis, ça fait des charges de d'éclair. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est les bottes Gitchenki? Non, c'est les attaques que, en gros, tu gagnes des charges d'éclair quand tu dashes. Ouais, il faut que tu dashes et ça te permet de gagner justement des charges et après ça te permet d'avoir plus 1 au jet d'attaque et faire un dégât additionnel de 1 dégât d'éclair. Bah c'est toi le prêtre de tempête. Hein. Bah ouais c'est pour ça je trouve que c'est pour ça quand il y avait les éclairs je t'en vois. Mais... Bon, bien. Est-ce que vu l'état de nos points de vie, c'est short rest peut-être. Un short rest ou un long rest, parce que moi il restera deux spells slots. Un short, c'est parfait. Il me reste deux spells. On continue de visiter la ville, du coup. Je vais faire une petite restauration magique de niveau 2. Je regarde parce que je peux retirer un là, ça. Putain, mais ça, je pense que je vais le tester quand même, aide. C'est un spell level 2, mais... J'arrive pas à comprendre si ça vous soigne de 5 PV et ça vous file 5... Comment ça s'appelle le sort? Aide. Juste le sort aide. C'est un truc de cleric. Et je crois que ça file... Il y a écrit... Spellbook. Il est où? Ouais, en fait, c'est ça, je vous soigne de aide. 5 et ça augmente de 5 les PV max. Ouais. C'est pas mal. J'ai vu une dague... Ouais, mais vu qu'il me reste qu'un slot, je pense que je le garderai pour mettre l'arme spirituelle. Non, c'est je sais pas si ça. Pas si ah oui, si c'est ça, c'est 5 PV, c'est 5 PV plus 5 machin. C'est ça. Ouais, mais je sais pas si c'est 5 PV plus en fait, si elle fait 10 en entier ou si ça fait juste 5 et ces 5 points te font des 5 PV max. Si mettons, tu vois, je le. Pour moi, c'est les deux. C'est à 5 de. Plus 5 PV en termes de healing et plus 5 de points de vie temporaire. Et bah, ma foi. Testera, c'est gâteau. Faites gaffe parce que dans le bâtiment juste là il y a des trolls. Il y a un choc de niveau 4. Un quoi? Il y a un quoi de niveau 4? Un choc. Ah oui. Katox est en train de parler à quelqu'un. Ouais, je parle à une dague. Comment ça? Il y avait une dague alors du coup je suis censé de la prendre. Donc je fais une tentative d'escamotage pour la prendre parce qu'elle est dans le feu. Ah, attends, j'arrive pas à pomper un pont, je vais te mettre. Oh, c'est bon, je l'ai eu. Oh, nice! Ouais, pas mal, hein? Parce que sinon, les trois ogres qu'il y avait dans la grosse baraque, vous voulez pas qu'on aille leur taper dessus?
Ah, moi je suis juste à côté, je... Attends, Katox, il est encore en train de parler. Là je parle à la viande du coup. Ah bah c'est... Ah c'est une DAC plus 1, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah il y aura les ogres à faire. Ouais quoi que, là, je suis en train de voir leur nombre de PV. Mais c'est en combien? Ils sont 3. Ouais, ils sont 3, ils ont 60 PV chacun, mais ils ont des stats qui me font pas plaisir. C'est-à-dire? Truc rocher instable, tu peux le après, bouger. Après, ils ont quasiment pas d'arme, de classe d'armure. Hein. Sauf qu'ils font... ils ont 19 en force et ils ont en passif de race dégâts augmentés de 1 des 6. Donc, ça va le faire. Non? Non mais par contre peut-être attends-nous non. Putain non mais j'ai cliqué gauche au lieu de droit pour l'examiner l'autre. Il est fou lui. Putain je suis désolé. Tu m'as fait si peur. T'es en combat là? Non je suis en dialogue. T'es en dialogue? Je suis en dialogue. Ouais. Avec les ogres. Allez. Attends. Reste en dialogue. Ouais ça j'arrive. Je suis en train de voir s'il n'y a pas moyen de moyenner, mais c'est chaud, hein, parce que je sais pas si on peut vraiment passer en fait. Il y a peut-être moyen, mais. Tu racontes quoi? Il me demande si on est copains ou si je suis de la bouffe. Dans le doute, on est copains. Marc. Ah, il me demande de lui montrer la marque de l'absolu. J'ai encore mieux. T'as sorti de moi en tromperie, j'ai plus 7 quoi. Ouais, moi je suis top, hein, j'ai moins 1 donc ouais, t'es bon. Ouais, mais tu dois pouvoir faire guidance normalement. Ah oui, mais avec le moins 1 même, je le sens pas. Bah, guidance ça passe, non avec... Unless you bear the mark, of course. Allez. Bon bah. Et tu peux balancer dans tes bonus, tu peux te guider ou pas? Ah peut-être pas. Je me suis mis guidance, allez bah YOLO. Hein. Oh bah, bon, ça voilà, c'est oui, bon. Let's go. Putain, quel t'as beau parleur. Manger. Ah. I've no use for the absolute or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. Je respecte en ce personnage. Ouais, je l'ai dit aussi, ouais. franchement, il était bien. Goblin give gold. We check brand. Good deal. Je pense qu'on arrive franchement. Ils sont marrants. Oh. Let's go. Non, sérieux. Si, faut tenter, ouais. On va faire l'assaut sur le camp goblin, tu vas voir. Oh, ouais, je les avoue, si on les a les trois, ça va être... Ah. La chair de vaincu. Ah, pourquoi c'est pas moi qui ai fait ce dialogue? C'est à toutes les compétences que j'ai. Bah ça c'est un misclic. Mais après tu sais pas, tu vois, c'est toujours pareil. Quand tu fais un dialogue, tu sais pas ce qu'il va falloir faire. Hein. Bon bah allez, on va essayer de... Oh punaise! Moi je dis ça passe. Tu veux pas allez go. Tu veux pas me foutre une inspiration bardique? Ben non, t'es dans le jet de dés, je peux rien faire. Ah ouais. Et je peux pas te le filer. Soit tu es trop loin, soit. Bah... YOLO. Ça passe. Ah. Non, ça passe. Regarde, 11 sur 20, c'est bon.
On a plus de la moitié. C'est pas comme c'est ça que ça fonctionne. C'est pas le petit c'est ça. Qu'il faut prendre. J'ai une aspiration encore. Donc non, même avec l'aspiration, tu l'auras pas. Genre... Ouais. Bah, faut que tu fasses genre. Attends, 16 ou plus, quoi. Ou 17 ou plus. Après, peut-être que si on change de perso, peut-être que toi tu peux proposer. Changer d'avis, tu vas voir ce qu'il va dire. On essaye ? Ouais, ouais. Allez. Bah, tu as du hop, je peux kiffer. Not so much as a nibble. Food? No, not food. Attends, je vais essayer de venir lui parler. Ouais, ça a l'air à nous. Wouah! Est-ce qu'on peut se rapprocher là, du coup? J'ai un peu peur. Je vais te laisser passer, Katox. Attends, je te mets la tête. Gavant. Hop là, c'est bon, t'es guidé. Je ne vois pas Katox leur parler. Putain, ça arrive. On peut refaire le même truc ou quoi? J'ai l'impression. Oh vas-y, ouais, si jamais tu peux le papa ou t'es là. Ouais, mais j'ai l'impression que ce sera un peu trop simple, à mon avis, c'est. Tu sais, t'as même le bouton en bas au cas où tu veux l'attaquer pendant la conversation en mode c'est bon, je m'en fous, j'attaque. Oh là là. Attention. Ah merde. Oh non. Ouais, c'est pas possible. Dommage. Bah après, on soit leur filer 500 balles. Oui, mais non. Ouais, j'ai des sortilèges à apprendre, moi, pour 500 balles. Ouais, ça, c'est beaucoup, 500 balles quand même. D'ailleurs, est-ce que j'aurais pas quelques petits sortilèges à apprendre? Ah, j'ai plus que 57 gold. Est-ce qu'au pire, maintenant qu'on est à côté d'eux, là, on les défoncerait pas? T'es sûr? Oh, j'ai bien entendu, là. Moi, sera combien, moi, je là vous avoue, je suis chaud. Hein. 59, 59, 67... Parce que là, moi, j'ai trouvé ici, là, je peux taper dans un... Il y a un poteau, là, dans lequel on peut taper pour faire tomber le plafond, déjà, sur leur tronche. J'ai eu un jet de sauvegarde ici. Attends, pas de... Okay. Peut-être un truc à creuser, ouais. Ouais, je pense qu'il va falloir creuser. Survival fail. Yeah. Moi, je suis prêt, hein. Je suis en position si jamais. Déterrer 5 coffres enterrés en une seule partie. À vous les trésors! Apparemment, on peut moi, pas. Moi, j'ai apprendre. Cliqué dessus et on m'a dit allez vous faire foutre, hein. Les ogres ils sont très en mode c'est à nous quoi. Ouais bah écoute ce qu'on va faire c'est que moi je vais me positionner à un endroit où je peux les sniper de haut et puis toi tu vas engager le combat après. Ici là vous pouvez casser ce poteau, je propose de commencer par ça. Attends je peux essayer de monter, il y a une échelle. Bah mais tu peux monter sur le toit tout court. Mais oui c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire. Ah d'accord, c'est que je vais pas casser le poteau alors. Non pas. Si, bah... Non, mais juste on s'arrête pas à ce moment-là. Weird, je pense que c'est mieux que ça, si c'est pas nous qui les cassions. Parce que là, tu vas peut-être te prendre le toit sur la tronche. Alors que là où je suis, tu vois, y'a pas de toit, donc au moins on est à peu près tranquille à cet endroit-là. Ouais, après on peut se mettre en fufu pour commencer déjà à leur marave la gueule. Non, ils veulent pas, tu vois, quand je me cache, ils me disent t'as un truc à cacher. Donc, mais viens, je te dis, viens plutôt là, parce que là t'es en plein dans le. T'es en plein sous le toit s'ils s'effondrent en fait. Je pense que si on y a un endroit où on peut se mettre en fufu pour leur taper dessus. Et c'est quel poteau que vous allez taper pour C'est ici là. Ah donc en gros on marche pas sur les plateformes en bois, marche sur les tuiles. Ouais faut pas vraiment aller au-dessus en fait.
ici, au-dessus, là, si tu veux, là, toute cette partie-là, là, potentiellement, ça s'effondre. Ouais, mais ça va pas leur tomber dessus. Ils peuvent tomber sur Ouais, c'est ça, ça devrait... Bah, attends, ça devrait déjà bien lui faire mal, je pense, à celui-ci. Ça devrait bien lui faire mal. Je suis relativement éloigné. Je peux tenter de tirer dans le poteau après, aussi. Après, moi je pense que avant de taper dessus, toi tu peux taper dessus ou pas à distance Ouais, moi je peux. Oui, mais okay. parce que moi je peux le pousser. Genre j'ai un spell pour pousser les gens. Donc ce que je pense c'est à la limite je peux pousser ce gars-là. Enfin on rentre en combat, je le pousse et ensuite on tape sur le support. Et du coup il devrait peut-être être tous les deux sous la partie qui se fait taper. Je pense qu'avec la force qu'il a, tu vas réussir à le pousser. Mais en fait j'ai un sort qui pousse les gens de 6 mètres en fait. Attends, pour l'instant on est même pas sûr. Et moi ça le pousse au niveau du poteau si je le pousse. Après j'ai 40% de chance de le pousser mais... Ouais je veux bien mais alors on va peut-être save avant non. C'est déjà fait. C'est fait déjà. C'est fait ouais. Ouais c'est fait. Et il a pas de résistance l'ogre. Oui mais bon après... Bon j'y vais, c'est parti. Le point de l'air. Voilà. C'est sans doute. Non, on est en combat. Ah, putain de merde. On est en combat. Attends. Oh non. Quoi, tu peux faire ça? Pourquoi? Ah, t'as fait la fin du tour et c'est pour ça que ça nous a foutu en combat. Ah mince, je peux le pousser, mais pas au bon endroit. Attends. Essayez de me mettre là. Non. Et là? Ah, mais je le vois pas en fait. Ok, bah je peux pas le pousser le dernier. Bon, bah attends. Je peux pas le pousser. J'aurais bien aimé mettre un truc sur ma gueule avant de commencer le combat, mais d'accord. Ah bah Waouh. Ok, ça leur a fait deux de dommages. En fait, bon, tu sais ce qu'il faut faire, c'est positionner des trucs au-dessus, genre tous les rochers instables, aller les choper, les mettre au-dessus, et puis péter. Ah bah écoute, c'est tant pis, hein. Et ben, let's go. Que tu passes ton tour peut-être Ah ouais mais je regardais si je pouvais pas faire quelque chose avec mon action bonus mais je suis trop loin. Je suis trop loin. Ah mais je peux peut-être faire quelque chose avec ça par contre. Attends. Oh ça c'est. Hop là, très bien. Ensuite. Ah, celui qui est par terre, franchement faudrait qu'on aille Oh alors ça c'était vraiment le truc énorme. Let's go, il va passer un sale quart d'heure. C'est pas beau ça. Ah, c'est... On a jamais autant kiffé je crois, attends. Hein on essaye d'en tuer un, on est d'accord. Voilà. Ça c'est fait. Ouais, mais par contre faut que tu t'éloignes de la flaque de graisse maintenant. Oui. Ah mince, c'est vrai que c'était gracieux, j'aurais pu essayer de taper. Bon, ah ouais, si t'avais tapé avec le feu. T'inquiète, j'ai un cantrip pour balancer du feu. Oh non, il se relève. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, mais il va pas pouvoir trop se déplacer. Après, tu me diras, ah ouais, mais tous ses potes, ils vont tous bouger en fait. Ah, c'est à chier. Ah non, oh let's go, il est toujours dans la graisse en plus. Ah ouais, il est bougé quand même. J'aime bien parce qu'on a une petite musique d'ambiance. Ouais. Oh. Et paf. Il a des potes. Ça fait quoi si tu tentes de le pousser? Trop lourd pour le pousser. Après T'as peut-être un Power Wave. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Thunder Wave c'est une action. T'as pas une comment on appelle ça là? J'ai un truc grégeois. Ouais, ah bah en vrai ça passe non? Ah ouais, ça mais y'en a qu'un seul qui est dans la graisse là. Oh, mais si tu lances le grégeois entre les deux. En vrai, si tu le lances par là, ça marche non? Bah ouais, ça. Ouais, vas-y, je vais essayer. Que en vrai, il faudrait essayer de tuer celui qui a 14 PV, quoi, qu'on se fasse taper un peu moins, je pense. Après, tu me diras, c'est vrai que c'est un peu dommage, on a tapé celui qui avait pas de PV, mais. Attends, what? Oh non, bah attends. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah je sais pas, j'ai pas... C'est pas un truc que t'aurais appliqué sur ton arme? Non, il est là le truc, mais Attends, mais pourquoi je peux pas lancer? J'ai juste avancé, j'ai pas... Lancer, c'est une action.
Oui, d'accord, mais moi je me suis juste déplacé là, j'ai pas fait d'action, j'ai pas fait quoi que ce soit. Et je peux pas la lancer. C'est quoi Zélie? Ah, ça y est. Ouais. Non. Après, ils sont en feu, hein. Ils sont en feu pour un moment, hein. Mais bon, c'est pas beaucoup non plus de dommages de feu, mais c'est déjà ça, quoi. Bah, c'est déjà ça, surtout que lui, s'il marche un peu dedans, il se fera encore plus de dégâts. Ah, ça. T'as le choix un peu quand t'invoques une arme spirituelle, t'as le choix de ce que t'invoques? Ouais, j'en ai plus. Mais là, celle-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des. Dès qu'en fait tu tapes sur quelqu'un, si jamais ça marche. Yes. Donc là, normalement, lui, il a. Blessure. Non, il a save. Ah, ouais, oui, ok. Sauvegarde. Ah, ça, c'est dommage parce que la blessure profonde, dès que tu lui mets un coup, en gros, ça lui fait des dégâts supplémentaires. En fonction des armes, ouais, je peux en invoquer 5 ou 6 différentes et en fonction de l'arme que je prends, bah, j'ai une habilité spécifique. J'étais en train de le viser, lui. Ah, bah... My point. Est-ce que je peux désélectionner? Après, ouais, faut que je fasse les deux sur la vie. Ça ne dérange pas que vous tapiez dessus. Ouf. C'était alors... de la merde ça, 3-3-2-2. J'aurais préféré lui faire beaucoup plus. Gadox, c'est à toi. Ouais, il faut que tu passes encore. Mais il cherche sa chanson. Ouais. Exactement. C'était sûr. C'était tellement sûr. Allez, le miss, bien joué. Il de la part du troll. Dégâts, hein. Oui, mais c'est quand même mieux que de se prendre... Bah, il est effrayé, hein. Là, tu peux peut-être les rebalancer dans le feu, hein. Normalement, c'est 2d8 plus 4, hein, son attaque, donc... Je peux. Attends. Ah non, parce que si je fais ça, il y a Rada qui y va aussi. Enfin, il y a Atemir. Ah, dommage. Et Atemir, t'as toujours pas ton armure sur toi? Oh, mais j'ai oublié que j'avais plein d'actions et tout. Oh, je suis trop bête. J'ai pris une potion de hâte et je m'en sers pas. Je suis trop bête. Je viens de réaliser cette histoire. Non, c'est une esquive. Pas du tout. Ah, oh, ça va, il faut pas tenter. Si, t'as réussi. Oui, oui, t'as... non, mais... Oh, dans le dos et c'est raté. Ouais, 70% de... En plus, hein, mais... Bravo. Ouais, le niveau. Ah, on peut pas aller plus loin. Bon, moi j'ai claqué tous mes sorts, hein. Je vais pas vous mentir vu que j'avais peur que. Moi j'ai plus de 4 PV, je vous avoue, ça va devenir compliqué là. C'est vrai qu'on a monté un niveau. Attends, j'ai pas monté le niveau encore, il me reste 20 d'XP, mais bon, avec ce gars ça devrait le faire. Oh non, bah oui, forcément. Hein. C'était 4 PV. Bon, pas chic. Après... Normalement, on peut le finir. Ça me semble jouable. le trident sera ton secours, c'est bon. Moi, je veux bien qu'on me sauve avant que je crève. Je suis chaud. Oui. Ah bah non. Alors. Il faut que tu me lances au pire. Bon. C'est bon. Je l'avais fait avant, mais ça a pris 3 plombs à se lancer parce que je pense que justement t'es sorti de ma portée et le perso il a pas compris. Hello, level up! Ah, je peux pas parler avec la tiefling qui est morte, c'est dommage. Pourquoi? Ils ont rien loot? Long repos. Je pense que c'est intéressant parce que j'ai plus de sort, rien du tout. Moi ouais, j'ai loot des trucs. Dans tous les cas, il me faut aussi un long repos. Attendez, est-ce que quand on monte de niveau, on se fait pas refresh des PV et de tous les slots? Si, ça se tente. Normalement, ça se tente. Allez, on va aller regarder ça. Ça nous fera la fin de l'épisode en plus, c'est parfait. Ouais, oh, yes, niveau 4. Une cigarette et pourquoi pas. Donc j'ai pris 6 PV, j'ai une aptitude de classe. Vous gagnez un emplacement de sort de niveau 2. Ah ah ah! Vous avez appris un sort mineur. Ouh, chic, un nouveau sort mineur. Ah, j'aime bien ça.
Weird, ouais. Est-ce que tu prends Sentinelle ou pas? Là non, moi je vais pas le prendre. Non, je pensais que justement toi tu le prendrais. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est pour savoir si tu le prends ou pas, et en fonction je le prends ou pas. C'est plus ça. Non, parce que moi je voulais prendre un truc qui m'augmentait la force de plus 1 et qui faisait je sais plus quoi, donc là je dois retrouver le... Ouais, je crois que c'était cette athlète que je voulais prendre. Ah non, c'est ça. Maître de l'armure lourde. Tous les dégâts qui ne sont pas magiques sont réduits de 3 quand je porte une armure lourde. C'est celui-là que je voulais prendre. Je vais prendre Sentinelle, comme ça au moins. Protection contre les armes. Ça pourrait être sympa. Ça dure 2 tours et ça réduit de moitié les attaques contondantes, tranchantes et perforantes. Ça pourrait être bien pour vous filer un petit coup de main. Alors j'ai gagné un spell slot et je sais pas si j'ai regardé des PV. Alors... Allez, je suis passé à 16 ans, force. Alors si jamais, dans ce que j'ai looté, le cadavre du gars, il y a une corne qui permet d'appeler un groupe d'ogres pour venir nous aider. Ah, c'est génial. Mais... comme on n'a pas passé de pacte avec eux, ils vont pas spécialement essayer de pas nous bouffer. Voilà. Et sinon, bon, j'ai trouvé un petit tête qui, il paraîtrait, permettrait d'augmenter l'intelligence du porteur à 17. Ah, c'est intéressant, ça. Voilà, bon. Je pose ça là. Ouh, je peux rendre quelqu'un aveugle. C'est bon. Tu reposes ça de suite. Quoi? Ben non, mais c'est très bien, c'est 18 mètres de portée, je peux aveugler quelqu'un. Oui, les ennemis, s'il te plaît. Je peux faire une nuée de dagues, sinon. Oh, j'hésite. T'as pas les images miroirs, des trucs comme ça, plus? Si, j'ai images miroirs aussi. Parce qu'images miroirs, ça peut être bien. Attends, je vais tester un truc. C'est super élevé. Je vais tester un truc. T'as pas de tête encore, Arda? De quoi? Ah, mais je peux pas t'équiper un truc comme ça, il faut que je le mette là. Après, je peux vous faire... préférez est-ce quoi que... cécité ou image miroir? Ah oui, mais t'es en montée de niveau là, Arda? Oui, alors, bien sûr. Cécité, moi je l'ai déjà. Toi, tu l'as déjà? Ouais, enfin, si c'est rendre aveugle les gens à 18 mètres, moi je l'ai, oui. Honnêtement, je pense que ça va rien te faire ce truc. Moi, je suis pas convaincu que cécité soit vraiment un bon spell. Hein. Non, cécité, c'est un peu zéro. Bon, 14, t'as besoin de l'intelligence. Pardon. Quoi? Moi j'ai pris la détection d'invisibilité. Ça par contre c'est pas mal. Ouais, je me suis dit que c'était pas mal. C'est bien ça. De quoi ? C'est pas fou. Bah après, Magic Missile c'est cool. J'avais pris quoi moi pour le mage à son level ? Je sais plus. Ah mais Magic Missile je l'ai déjà. Ouais, non, mais c'est cool. Mais après t'as des trucs... Après tu vas récupérer des pare-chaux. Hein. Tu vas récupérer des pare-chaux donc en soi prends ce que tu veux. Hein. Les petites images miroir. J'ai pris un appel de familier et une image miroir. Je pense que l'image miroir ça peut être bien parce que vraiment, enfin, ça te fait combien ça te fait plus. Oh, je peux prendre le sort communication avec les morts. Non, ça fait... Honnêtement, Arda, je pense que ça va pas te servir cette tête. On va tester, mais en vrai, non, mais en fait, bah, la tête qui te donne 17 d'intel, en fait, comme t'as déjà 16, avoir plus 17, ça change rien. Enfin, essaye de l'équiper, mais je pense pas que tes bonus ils changent. Non, parce que 17, t'es... ça changera pas. Faudrait que je passe à... Bah, c'est ça, donc à la limite, je pense que c'est peut-être mieux de le filer soit à Katox. Enfin, à la limite, Katox, vu que t'as de la proficiency en arcana, ça te servira. Ou Munmir, t'as de la proficiency en religion. Et donc, pareil, si t'as plus d'intel, ta proficiency sera plus intéressante. Moi, j'ai vraiment pas de proficiency dans les trucs d'intelligence, donc. Mon casque me semble plus utile. Peut-être que après, sinon on les garde hors combat. Hors combat, effectivement. Hein. Si y'a que ça, toi, récupère après, moi j'ai pas de casque, je vous avoue. Donc au pire, je le mets. Mais Bah ouais, mais mets-le carrément. Carrément. Mets-le. Hein. Moi, franchement, ce que je me disais, effectivement, ça peut être sympa. Mais en tête, enfin, déjà, j'ai un casque je trouve qui est mieux que ce que je peux avoir. Que ça. Oui, bah après, je sais pas, Katox, toi, c'est vrai que t'as un truc qui te donne de la bardique inspiration, là, je sais pas quoi, mais. Bah, tu le veux ça, ou pas ça, le 17 ça, parce que moi je suis toujours en train de chercher le don pour l'instant. Ah pardon. Ouais, pareil. Bon, moi j'ai déjà pris un short à mettre d'armure comme ça me fera plus de bonnes finesse encore. Moi j'hésite entre l'amélioration de la caractéristique et un truc qui me donne deux sorts supplémentaires.
Bah, je vous laisse choisir, je vais aller fumer ma clope, moi. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, j'hésite aussi. Vous savez quoi, on va peut-être arrêter l'épisode là et on va réfléchir hors caméra. C'est une bonne idée. Ça peut être pertinent. C'est une bonne idée, hein. Allez, on va clore ça ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve là très prochainement pour la suite de ces aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Bisous.